Bonsoir à tous. À distance, mais bien présent, Saint-Four Communauté et son conservatoire sont très heureux de vous proposer ce soir un récital de guitare par Lucas Okotnikov, professeur au conservatoire. C'est une première, mais il nous semblait nécessaire de vous proposer cette nouvelle formule de concert, car pour tous les élèves et professeurs, la scène manque profondément. D'ailleurs, prochainement, nous allons vous proposer des concerts, des spectacles de théâtre, sous ce même format, afin de valoriser le travail des élèves. Je profite de cette occasion pour vous dire combien tous les élèves adultes et de danse manquent aux professeurs. Et que, dès qu'un prochain décret nous permettra, ça sera avec plaisir qu'on vous réaccueillera. Vous faites preuve de beaucoup de courage et de persévérance pour suivre les cours à distance, et nous savons que ce n'est pas forcément évident. Mais par votre degré d'adaptation, nous tenions à vous en féliciter. Alors, sans plus tarder, pour vous divertir, je vous laisse en compagnie de Lucas, qui vous réserve ce soir un très beau voyage musical allant du romantisme à nos jours. Je vous souhaite une agréable soirée et un très bon concert. Mais bonsoir à tous. Oui, c'est étrange de voir une telle. Bon, ben, il y a beaucoup de personnes, mais en tout cas, c'est une belle équipe qui a déjà été présentée partiellement. Voilà, donc on va commencer par une petite variation. C'est une variation d'une étude de Manuel Ponce sur un thème de folie d'Espagne. Pour une fois, ce ne sera pas nécessaire d'éteindre le téléphone, si vous entendrez pas. Voilà. Bonne écoute. Thank you.
On va continuer avec une bagatelle de Walter. Thank you.
enchaîner avec une valse de Augustin Barry, la valse numéro 3. On va maintenant enchaîner avec le Canticum de Leo Brouwer. Désolé, je n'accorde même pas. Thank you.
Bien, bien, bien. Alors, on me fait signe qu'il faut que je parle plus fort dans le micro. J'espère que ça va là. Du coup, on va continuer avec une étude, la numéro 7 de Villas-Boas. Voilà. Elle a composé à Paris en 1920. Thank you.
bien. Merci beaucoup. Bon, j'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie, en ma compagnie. On va continuer du coup avec la grande ouverture de Giuliani. Voilà, une pièce un petit peu longue. Ce sera la dernière pour ce soir. Voilà. Thank you.
Et voilà. Merci beaucoup pour ceux qui ont écouté. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je m'excuse pour quelques petites erreurs que j'ai pu faire. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que le choix des morceaux vous a plu. Voilà, merci beaucoup. Peut-être que vous pouvez dire un petit mot. Parce que, en tout cas, la conclusion, c'est vivement que le Covid soit derrière nous et qu'on puisse reprendre des vacances. Hein. L'interaction est moins là, quoi. Et là, c'est bon, ça passe à Clément à nouveau. Un grand merci à Lucas, un grand bravo à lui de nous avoir permis une petite évasion musicale durant le temps de cette soirée. Un programme qui était exigeant, qui nous a beaucoup plu. Je ne doute pas que pour vous aussi, depuis chez vous, installé bien confortablement dans votre domicile, j'ai pu voir un peu plus d'une trentaine de connexions voilà, ce soir. Donc merci à vous d'avoir été présent virtuellement. Voilà, n'hésitez pas à laisser des petits messages après sur la boîte du conservatoire pour encourager notre professeur Lucas. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à très prochainement. Et comme l'a dit Lucas, on a vraiment hâte de vous retrouver en vrai sur une scène. Merci à vous et bonne soirée.